Voilà pourquoi il fait ça. Mais voilà pourquoi il a attrapé et puis il a attaché. Donc tu as attaché trois personnes. Oui. C'était pour quoi? Et tu les as attachés où? Il a attaché dans le royaume. Et pour quoi? C'est pour les manger. Ok. Tout à l'heure, on va procéder. C'est ce qu'on va faire pour être un peu rapide. Tu viens de finir tes aveux. Oui. On va finir tout à l'heure, on aura une cérémonie de délivrance. Oui. On va aller très vite, sinon ça va prendre du temps. Parce que les aveux ne délivrent pas un sorcier de la sorcellerie. Le sorcier va vous parler, ok, mais il a besoin d'être débarrassé de son démon. Donc pour aller vite, gagner en temps, tu vas t'asseoir tout à l'heure, il y aura la cérémonie de délivrance. C'est à partir de cette cérémonie, on permet au sorcier de prêter serment. Et ici, quand tu fais ça, que tu retournes après la sorcellerie, tu es un homme mort. Nous avons bien réglé le problème. Ici, quand tu passes ici, tu n'es plus sorcier. Qui est prêt à parler? Je me nomme Zinon, je viens dit Alain. Comment? Je me nomme Zinon, je viens dit Alain. Au début, tu as quelle raison? Je suis d'Abidjan. Tu es d'Abidjan, ça dit quoi? Tu es de l'Église? Non, je suis de Dalor, mais. Ok. Tu es de Dalor? J'étais au village à Bonoufla avec ma grand-mère. Vraiment? J'étais au village à Bonoufla avec ma grand-mère. Maintenant, une nuit, elle a préparé. Bonoufla, c'est un nom, c'est un nom, c'est un village de Dieu. Ah, donc c'est un truc. C'est un truc bourreau, mais. Après, il y a les sorciers. C'est le sorcier. Après, la frontière, sont à frontière entre Vavoua et Dalwa. Elle m'a envoyé au champ. Parle fort, monsieur. Elle m'a envoyé au champ avec mon cousin qui s'appelle Yves. Donc au retour, elle a fini de préparer. Elle m'a donné, j'ai mangé. Mais il y avait la graine humaine dedans. Donc c'est le soir maintenant, elle est venue me chercher pour me dire que non, c'est une graine d'une, c'est la graine humaine qu'elle m'a donnée, que je devais donner pour moi. Donc quelques jours après, je suis venu à Abidjan auprès de ma maman. Mais elle m'avait dit que mon objectif c'était de bloquer tout ce que maman allait faire, comme promesse. Donc il a commencé d'abord à chasser tous ceux qui venaient autour de ma maman. Il lui a fait comprendre Max que toutes les personnes qui viennent là, c'est le coup. Après avoir toutes les promesses qu'elle faisait, tout ce qu'elle vendait. C'est la moi-même. Tu vois les belles, non? Oui. Et cette masque là qui fait que les gens qui... Comment ça fait pour mettre le masque? Elle dormait. Elle dormait quand je suis venu. Et puis j'ai mis le masque là. Tu vas pleurer? Maintenant, après, elle devait faire un commerce. Je suis parti à la place où elle vendait. Et du fait qu'il est là-bas. Maintenant, le troisième. Il a déchiré. Mon frère a déchiré. La troisième chose. Le père de ma petite sœur que. Tout le garde du corps à l'ambassade des États-Unis, chef de garde du corps à l'ambassade des États-Unis, a fait son passeport. Mais la nuit, j'ai passé son nom. Donc, elle est partie à l'aéroport. La femme dit qu'elle à l'ambassade. La femme dit qu'elle ne peut pas donner la signature. Le visa. Dans le visa. Après tout ce, le préfet du procès, le préfet, le père de mon petit frère, qui est venu aussi, qui est dessus son cœur, il n'a pas pu la regarder. Au fur et à mesure qu'il l'appelle, si ça te fait, je vais te dire que son cœur. Maintenant, elle m'a dit non, comme j'ai mangé l'argent, je vais me dire que c'est pour deux personnes de donner pour moi. On est donné mon père. Papa, papa, mon père en mort. En quelle année? Papa, je m'en rends en 2004, non? 2009. 2009, oui. Il est décidé. Mais ça, il est bédé. C'est bref. Il est arrangé. Donc, le tuer était. Il dormait. Monsieur entend sa chambre. Un chauve-souris. Monsieur entend sa chambre. Pourquoi? Un chauve-souris. Un chauve-souris. Un tour entend sa chambre. Donc là, comme il dormait, il a tenté de l'éloigner. Donc après ça, il est transformé en Dieu. Et j'ai mangé la tête et le cœur. Maintenant, au retour de là-bas, elle m'a dit de donner encore. Que c'est tout à tout, chacun donne pour lui. Ça arrive au principe. Elle m'a dit de donner quelqu'un. J'ai donné. La tante de ma mère.
frappé Suzanne. Je l'ai donné. Elle, je l'ai donné plus cardiaque. Mais j'ai mis le palais sur le cardiaque. Donc elle est décédée. J'ai donné aussi le petit-fils de ma grand-mère qui est PCA à la faculté matin. Sinon, m'a guéri. Mais il dormait, je suis parti et je l'ai gorgé. Donc il est transformé aussi en cabine. Il est transformé en cabine. Il a mangé la tête et le cœur. Maintenant, elle m'a dit aussi de donner encore un. J'ai donné tapé de vigile. Elle était à l'hôpital. Je l'ai enchumé sa tête et elle est décédée. Maintenant, elle m'a dit non, que je devais gâter des gens. Il y a mon nom qui est commissaire actuellement qui est en prison, Zino Koupou. Que j'ai mon nom qui est commissaire qui est en prison, lui actuellement. Oui, comment est-ce que tu es en prison? Il y avait des documents qu'il devait. Commissaire pour quoi en prison? C'est le cousin à son papa. Quand son père est né, c'est lui qui nous soutenait. Il nous soutient même. Donc moi, je suis ici, puis je l'ai appelé. Il dit, mais on est sur le bloqué, j'ai pas l'argent. Il faut les envoyer un peu le sous. Il dit, mais moi, je suis autour. On est autour comme brigand. Ça fait peut-être, tu as vu que ça fait une semaine. Ça, il y a ceux qui l'étaient autour. Il m'a demandé, mais tu es dedans. Il dit, non. Il m'explique, moi, il dit, pas m'expliquer au téléphone. Quand j'arrive à l'école de police, de demander, on me montrer où il est autour. Donc, il est là. C'est toi qui as fait ce truc. J'avais le document. Je crois que le document à mes enfants venait de vérifier. J'ai pris le lien et j'ai reçu ça de ma copie. Maintenant, la secrétaire a pris. Non, comment tu as fait pour se retrouver en prison? Ok. J'ai pris le document. Le lien pour aller dans ma copie. Depuis qu'elle est ici, lui? Depuis qu'elle est ici? Passé. Depuis j'ai tout passé. Donc j'ai pris le lien, c'est pas de ma copie. Maintenant, ce qui est resté. Aussi? Ce qui est resté, c'est la secrétaire qui a pu tout cacher. Donc ils sont venus. Demain laisse-moi la secrétaire, elle a pu tout cacher. Donc ils sont venus, ils n'ont pas vu. Donc, il a arrêté sans me dire qu'il a besoin actuellement. Maintenant il est d'accord. On m'a dit que c'est toi qui as fait ça. Et tu gagnais quoi en vélo? Non, je te demande, tu gagnes quoi en faisant tout ça? Parce que la prison, c'est la plus grande des humiliations. Mais elle a pris son argent. Il dit finalement, Kamoa vient de dire tout à l'heure que c'est lui qui vous soutient. Un monsieur comme ça, regarde comment tu l'humilies, tu fais des choses. Qu'est-ce que tu trouves en faisant ça? Et vous ne voulez pas qu'on combat les sorciers? Donc tu as tout fait, tu te retrouves en prison. Moi, les sorciers peuvent faire que quelqu'un se retrouve en prison sans cause. C'est possible. Tu peux créer une histoire et puis la personne se retrouve en prison. C'est possible. Tu as tout contrôlé. Donc mon grand père aussi qui est capitaine de bateau. Tu as des grands dans ta famille, hein? Ça c'est des bœufs, des. Hein? Mon grand père aussi qui est capitaine de bateau. Lui aussi j'ai bloqué. Je ne suis pas dit où il travaille, j'ai effacé son nom. Maintenant j'ai mis un esprit dans le tête. Il dit non, il veut vendre maintenant le bateau. Maintenant il n'a pas s'asseoir à la maison. Donc actuellement il est assis. Et puis j'ai gâté chez lui. Tu as gâté son travail? J'ai gâté son travail. Où est un peu les dégâts de la société? Ils sont nuisibles. Ils sont là, ils gâtent autour d'eux. Ton propre grand-père, le père à ta mère, c'est ça? Et tu as gâté son travail. Il a gâté. Ça m'intéresse, monsieur. Faut qu'on rentre en côté de la famille pour aider ça. Ah oui, il faut comprendre beaucoup. Oh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à faire endormir les gens. Ils disent non, ça va aller, non, ça c'est pas sorcier. Depuis quand le petit peut aller faire des trucs, c'est ça. Ils vont commencer à dormir. Parce que quand ils font un travail, ils vont prendre une injection dans l'âme, dans l'esprit de la personne pour l'endormir. Après que la personne a le problème, mais la prière l'intéresse pas. Pour aller se faire délivrer, ça l'intéresse pas. Elle est là, elle croit toujours. Tu vois, c'est ça. C'est ça la stratégie de Satan. Bien que la personne soit dans les problèmes, tu vas dire c'est sorcellerie. Elle va dire, oh non, quelle sorcellerie. C'est à quoi la sorcellerie dans ça? Pourtant, c'est les sorcières qui sont là-bas. Le fait de travail de fond. Oui.
ses dossiers pour lui. Lui aussi, partout, on a perçu sur ses mains. Il ne vient pas de l'argent. Lui aussi, partout, il va passer. Pour aller passer, pour aller donner ses dossiers. On le refuse. Il y a plus de soucis que là. Lui aussi, c'est ses proches, on a perçu. Il n'est pas quelqu'un de l'argent. Comme ma grand-mère aussi, elle lève au toit où je suis dans ma maison. Donc, elle aussi, elle fait brutal de sa famille. On s'en fout qu'on est déçu. En fait, on n'est pas qu'il lève de l'argent. On n'est pas que quelqu'un aussi lui prend de l'argent. Si on lui prend de l'argent, ça s'en va aussi côté sa vie. Quelqu'un aussi, mon oncle aussi, peut-être date de passer. Et j'ai rendu aussi malade. J'ai mis le talus dans ses pieds. On s'est joué dans ce moment, il est paralysé. Il est au village. Il y a un de mes oncles aussi, qui était banquier. Lui aussi, je l'ai cherché son travail. Lui, il a décidé de faire ses parquets pour chercher son travail. Ton aide par spécialité, c'est chasser les gens en travail. Tiens, tu as ce ministère. Chasser les gens dans le travail. Actuellement, il est à la maison. Et ma grande, c'est le sud en France, avec une qui travaille à la l'aéroport ici. Je voulais nous aider, mais j'ai bloqué aussi. Mais pas qu'on nous aide. À faire quoi? Elle devait chaque fois que j'ai de l'argent. Oui, ma mère. Moi, j'ai bloqué aussi. Quatre filles. Madame Papa. Elle a une ligne de vêtements. C'est le seul garçon. Normalement, en temps normal, c'est leur seul garçon. On peut l'aider. Moi, je prie pour ça, je lutte pour ça. Alors que c'est ça, lui. Il est gâte. Voilà. C'est ça, il est fait. Il est fait. Il est fait. Il est fait. Bon, c'est pas. Un bien-être pour que tu sois heureux. Toi, tu trouves. Faut gâter. Vous voyez comme c'est une maladie, non? La société, c'est terrible. Pourquoi il y a le mari de ma mère aussi qui a gâté? Ça, c'est clair. Si tu as mis masque, c'est vrai que tu as gâté le mariage. Pourquoi il y a la cour aussi? Il met un. Maintenant, il n'est pas avec lui. Vous le regardez bizarre, il y a des gens qui le regardent. Oui, monsieur, il attrape. Parce que il y a des regards d'autres personnes. Lui, il attrape. Moi, j'ai un homme venu de voir ça. Tu le vois comme un malade. Il est malade. Il est malade. Il faut céder, grave. La fille de médecin aussi, qui travaillait, qui était journaliste. J'ai gâté aussi. Vous voyez comment il a fait des dégâts dans la famille. Il gâte ici, il gâte ici, il gâte ici. Ce que j'ai gâté. Vous avez venu pour moi, nous en prier pour vous. Comme je dis, pour gagner en temps, on aura l'occasion tout à l'heure de procéder à la délivrance. Si on veut faire les deux ensemble, on n'aura pas assez de temps pour finir les aveux. Voilà. Nous allons s'en prier pour elle. Dis-lui que ma tête ne fait plus. Ouais, non, ouais. Voilà. Tu trouves quoi en faisant tout ça? Quand tu sors pour gâter, quand tu fais ça, tu gâtes, qu'est-ce que tu trouves? La dame, elle est découragée. Et ma fille, elle est découragée. Il n'y a pas de tête. Tout le monde se vient. Par main, je vais prendre un t-shirt tout le monde. C'est ça? Quand les gens quittent l'orange bonjour, correspondant, ils ne peuvent pas jouer. Je mets sur tout le monde sur l'orange bonjour, au correspondant, ils ne peuvent pas jouer. Messagerie. Mais ça, y a pas de mon portable a explosé. Bonjour. Au cœur. Et puis, bizarrement, chaque fois que ça fait ça, il y a un petit mal irrite, toi. Bizarrement, mon intuition là. Mais si, c'est justement l'intuition qu'on donne. Et la nuit, je ne dors pas, je prie juste. Même les nouveaux-nés, la prière, moi, lui, là.
Il est parti depuis. Non, il est sans papa, vous pouvez ici maintenant. Vous parlez pour lui maintenant, tu es désormais, tu vas sa sa vie. Tout ce qui est bloqué, tout ce qui est enchaîné, revient dans la vie. Tout ce qui est chassé, revient. On va revenir, ton mari. C'est pas tout le monde qui avait dans sa vie. Comment tu es chassé? Non. Tu libères son mariage. C'est pas tout le monde qui avait. Que ton mari, que j'ai chassé, revienne. Que tout ce que tu vas te prendre maintenant marche. Ok, va t'asseoir. Bon, il y a lui, l'autre, qui sont sur la ligne de la délivrance. Oui. Tout à l'heure, les deux. Nous allons procéder tout à l'heure à votre délivrance. Qui va parler? Ici, on ne passe pas. Hein? Oui, madame. Oui. Attendez d'abord. Madame Paté. Comment tu as fait pour moi? Tes amis là, c'est terrible. Hein? Je dirais, comment il y a parti? Parlez-vous, madame. Je m'appelle Ebé Mansa. Je viens de Tilé. Comment? Et où Tilé? C'est la première fois que j'entends le Tilé. Hein? Oui? C'est ma grand-mère qui va la cousine de ma grand-mère qui va ici. Elle m'a donné de la viande. Je cherche une et puis je sais que je suis parti, j'ai vu. À mon tour, elle donnait ma fille. Je dois elle lui donner. J'ai pris ma première fille. Elle s'appelle Mba Roselie. Tu as pris? Je l'ai pris et puis je l'ai tué. Ah, j'ai tué ma première fille. J'ai tué ma première fille. Non, je n'ai pas qu'on lance trop faible. Je l'ai pris. J'ai tué. Le sujet devient trop sérieux. J'ai tué ma première fille. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment tu tues? La première, j'ai transformé en poulet. Qui t'a mangé? Mon petit frère, il est transformé en mouton. Il l'a tué. On a mangé. Troisième personne, la petite soeur, la fin de ma petite soeur. Elle a battu. Je l'ai tué, elle a rentré à la porte, lui, elle a mangé. Ma cousine, s'appelle Eta. Elle est transformée en mouton. Elle a mangé. Vous faites comment pour transformer les gens en poulet, en mouton? Non. Je suis transformé. Non, comment vous transformez la personne? Je suis allé chez elle. Mm-hmm. Je l'ai appelé. Mm-hmm. Son amour. Mm-hmm. 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 Ngeta. Ngeta. Je suis allé. J'ai transformé, je l'ai tué, je l'ai transformé en mouton. On a mangé. Et toi, c'est tué? On est en train de manger. On est en train de. Tu as combien? Tu as tué combien de personnes? Tu as tué combien? 5. Allez-y. J'ai gâté les filles de mes enfants. Là, quand ma fille fait le concours, il va effacer son nom. Le concours de quoi? Elle fait combien de fois le concours? Plus de 4. Plus de 4 fois. Mm-hmm. Et tu fais comment pour effacer les noms? Je mets ça dans un caméléon. Un caméléon. Puis j'efface son nom. Tu veux pas où? Le nom est où tu vas passer? Le nom est dans le. Mm-hmm. Où tu arrives là-bas? J'y arrive là-bas. C'est affiché, puis j'efface son nom. Là, Angéline, j'ai retiré son dossier. J'ai retiré son dossier. Elle est à la MTN. Elle allait, c'est ça? Elle va travailler à MTN? Comment elle travaille là-bas? Oui. Elle va travailler.
que tu as jeté le dossier. Maintenant, je les ai livrés. J'ai délivré. Et puis, tous mes enfants. Comment? Et pourquoi? Je les ai livrés. Parce que. Bon, quand je vois une fois que tu les as livrés, quand même. Comment? Pour les appeler de te faire pitié. Comment tu les as livrés? Pourquoi tu les as livrés? Je les ai livrés pour ne pas faire ça. Maintenant, à la mort, non, comme tu les as. C'est ça qu'il m'a. J'ai mis les bandits sur elle. Non. Tes enfants, là, quand tu dis tu les as livrés, c'est pourquoi? Pour les tuer, pourquoi on les tue? Oui. Ah oui, il faut bien dire ça. Pourquoi on les tue? Pourquoi on les tue? Oui. Et pourquoi? Vous avez faim. Vous voulez manger. Vous ne voyez pas les poulets Dieu a créés. Les poulets, les cabris. Ils s'y vendent. Le boucher, il vend. Quand tu les viandes, c'est combien? C'est un pas cher. Ça est demi fait 1000 francs. Les poulets de chair, là, c'est 1200. Les petits, là. Ça a 10 000 francs, tu as beaucoup de poulets. Et pour l'homme là qui est doux. Je vous demande à vous, c'est doux. Donc tu as livré comme un enfant. Il y a Jacques aussi. Tu as livré combien d'enfants? Les quatre. Ah, vous avez quatre enfants. Oui. Comment tu les as livrés? On doit les tuer. Pour Jacques, on ne tue on pas. On doit les tuer. Oui. Donc tu as commencé par qui? Nadej. Qu'est-ce que tu as envoyé dans la ville de Nadej? La personne Nadej. J'ai mis les bandits sur le compte de la police. C'est ça. On a Angélie. Là, c'est un accident. Nadej, tu as fait quoi? Tu as fait accident. Bon, c'est Angélie. Angélie. Ça met pour un accident. Elle est morte? Non. Pourquoi? Elle prie beaucoup. La déjà Angélie. Non, Angélie d'abord. Angélie, elle. Pourquoi elle n'est pas morte? Elle prie beaucoup. Elle devait faire accident. Oui. Elle n'a pas marché. Pourquoi? Elle s'est prie beaucoup. Donc tu crois à la prière? Si. L'autre, comment on l'appelle? Nadej. N'appelle quoi Nadej? Il y a envoyé les bandits. Envoyé les bandits, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas pu la tuer, donc on doit pas. Tu avais dit quoi? Tu envoyais bandit, c'était pour la tuer. Oui. Et puis ça n'a pas marché. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a pris son sang. Son sang. Elle est où finalement? Elle est à la elle vient en cours de voir. On va tout ça déjà. Maintenant, Jean-Jean. Je l'ai poursuivi. Je ne l'ai pas eu. Comme on poursuit poulet là. Oui. Je ne l'ai pas eu. Où est-ce qu'on poursuit poulet? Il rentre là, on le couvre. Mais il pousse. Il pousse. Il y a 4 personnes de qui? J'ai 4. Mon fils. Mon frère. Lui, il est en Europe. On n'a pas encore tué. Je l'ai. Il boit seulement. Il va dans les maquis. J'ai fait, il va dans les maquis. Hein? Il va dans les maquis. Hein? J'ai fait, il va dans les maquis. Ah, tu sais, il va dans les maquis, ça veut rien dire. Il a fait, il va dans les maquis. Il a donné l'esprit de l'ivorgnerie, de boisson. Comment tu as fait parler de donner boisson? Quand il partait. Quand c'est comme ça, tu bois un peu de belle tu es saoulé. C'est quand il partait. Hein? Quand il partait. Partait où? Quand il partait en dehors. Mm-hmm. Ça il a fait ça. Il était ton cadeau. Voilà, il peut boire là-bas. Ça fait quoi encore? J'ai pris l'argent de mon mari. J'ai pris l'argent de ton mari. Monsieur, je vous disais hier, c'est le modèle de plus. Ah, de l'aide.
vendu la maison. Qu'est-ce que tu as bâti? Yes, yes, yes. C'est grave, hein? Un mari, vous prenez le badigeonner avec Aka. Vous trouvez ça normal? Vous n'avez rien dit, non? C'est la finesse. Ici, nous démystifions la sorcellerie. Nous les prenons pour des grands malades. Ils sont très malades. Or, Jésus qui n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, il est venu pour les malades. Jésus se présente comme un médecin qui vient guérir ceux qui sont malades. Or, la sorcellerie, c'est une maladie spirituelle. Vous voyez, c'est une possession démoniaque. On a des démons. C'est qu'on a des esprits démoniaques, là. C'est le genre d'esprit, on ne fait que détruire autour de nous. Le démon nous pousse à tuer. C'est pour ça généralement que les gens disent qu'ils ont deux cœurs. Mon cœur me dit de faire, mon cœur ne va pas faire. Et puis notre cœur, je n'ai pas envie de voler, mais je suis allé voler. C'est ça, la possession. Ce démon est qui domine. C'est ça la sorcellerie. C'est un démon très fort. Mais ce qu'il reproche à ces personnes, elle-même elle sent que la prière, c'est une bonne chose. Elle sait qu'en priant, c'est une bonne chose, mais elle ne se donne pas la prière. Pourquoi? Tu sais que c'est bon. Bah, tu as tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et toi, tu es là, tu ne te donnes pas la prière. Quand je fais la prière, j'ai sommeil.